du matin. Bonjour de Laurie. Lorient. Non. Bonjour de Laurie. Qui est Laurie? Laurie. Bonjour du matin. Nous sommes le 3 novembre. Ah. On est vendredi. C'est pas le week-end encore. C'est ce soir le week-end. Ah, j'ai mangé du pain. J'en ai plein les dents. Ça colle. Donc, nous sommes le 3 novembre 2023. Il est 7h50 du matin. C'est le matin. Et comme vous l'entendez, peut-être pas encore, j'ai le nez pris encore. Et ça me saoule. Ça me saoule grave, grave. D'avoir encore le nez pris. Alors, je sais pas trop à quoi c'est dû. Enfin, systématiquement d'être malade, quoi. Bref. Et ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ah oui, d'accord, ok. Alors du coup, on a fait le plus dur en se levant, du coup. Alors moi, j'ai une sacrée journée qui m'attend, là. Méditer, prendre la vitamine C. Ah, alors, j'ai lu un truc sur la vitamine C, comme quoi c'était pas forcément bien. Voilà. Effectivement, c'était un lapin qui avait un fusil à la vôtre. Bon matin, c'est trop chaud. Je le sens là, je me brûle les doigts rien qu'en touchant le truc. Comment ça va sinon ce matin, la forme? La forme, moi ça va. À part que j'ai encore la crève, sinon ça va. On va s'en sortir, tout ira bien. Tout ira bien. Allez. On reprend le fil des actualités. Dans la bonheur, la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. C'est ça que je voulais dire. Ah, la fatigue. Bonjour, Mpavo. Bonjour, les chats. Bonjour, le chat. Bonjour. T'as de la neige, c'est toi? Bonjour, Fletcher. T'as de la neige, c'est toi? Il neige? De où il neige? Pas de neige? N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, je te crois pas. Alors, Samuel nous dit que c'est une bonne nouvelle. On va voir de quelle bonne nouvelle il parle. Hop là. La bonne nouvelle, c'est Géraldine Wessner qui nous dit « J'ai la joie de vous annoncer que la jurisprudence a enfin changé. » Dans le procès en diffamation que m'intentait Gilles-Éric Séralini pour avoir qualifié de frauduleuse son étude de 2012 sur les rats nourris aux OGM, le tribunal vient de prononcer la relaxe. Bonne journée. Mes confrères Mac Lesguy et Patrick Cohen, également poursuivis, sont eux aussi relaxés. Je n'ai pas encore les détails de la décision que je ne manquerai pas de partager. Elle fait une trentaine de pages. Il s'agit réellement d'un jugement au fond. Comme il est impossible de résumer en 184 caractères, je la transmettrai à ceux qui me la demanderont gentiment. Bonne soirée. Donc, qu'est-ce que c'est? Les journalistes P. Cohen, G. Wessner et O. Lesgourg. Mag Lesguy. Ah, voilà, je sais maintenant. Compressé à Paris, accusé de diffamation par le biologiste Gilles-Éric Séralini, cible d'une campagne de décrédibilisation. Par Rose-Amélie Pessel. Vas-y, c'est quoi le truc? Est-ce qu'on a l'article, là? On a l'article. Allez, c'est parti, on va lire ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur les montagnes, il y a de la neige sur les montagnes. Ok, bah, je suis contente de l'apprendre. Pesticides, la fabrique du doute au tribunal. Attends, je vais me le noter, là. Voilà. Ce 1er septembre, les journalistes Patrick Cohen, Géraldine Wessner et Olivier Lesgourg comparaissait à Paris, accusé de diffamation par le biologiste Gilles-Éric Séralini, cible d'une campagne de décrédibilisation qui s'est de nouveau illustrée au tribunal. Bonjour, Glabou. Bonjour, Farly. Un article de Rose-Amélie Bessel pour Politis, qui a été publié le 6 septembre, donc ça fait un petit moment maintenant.
Oui, les OGM sont des poisons. Le titre en une du Nouvel Observateur en septembre 2012 fait l'effet d'une bombe. Le professeur de biologie moléculaire, Gilles-Éric Séralini, révèle dans le magazine et dans une revue scientifique de référence les résultats d'une étude qu'il a menée pendant 2 ans sur des rats. L'expérience montre la toxicité même à faible dose du Roundup, herbicide à base de glyphosate et pesticide le plus vendu au monde, et celle du maïs génétiquement modifié, produit par le géant de l'agrochimie Monsanto. Salut Mimi Mielleuse, comment ça va? Bonsoir. Un peu tôt pour le soir quand même. Depuis, les travaux du professeur ont servi de base pour permettre l'indemnisation de milliers de victimes du glyphosate aux États-Unis. Pourtant, son étude de 2012 reste un emblème de controverse scientifique. Les avis divergent toujours sur le crédit à accorder à ses conclusions et la revue spécialisée qui avait publié son article s'est rétractée 1 an plus tard. Mais surtout, l'histoire du biologiste illustre l'acharnement de l'industrie des pesticides à décrédibiliser les travaux qui ne servent pas leurs intérêts. Leurs intérêts. En 2017, les Monsanto Papers ont révélé que le rédacteur en chef à l'origine de la dépublication de l'étude de Séralini était au même moment consultant pour Monsanto. Science partielle. C'est un numéro d'envoyé spécial consacré au glyphosate diffusé sur France 2 en janvier 2019 et dans lequel intervient le biologiste qui a relancé l'affaire Séralini juste avant l'apparition de l'enquête. Ses auteurs, Élise Lucet et Tristan Valex, sont invités sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Patrick Cohen, chroniqueur de l'émission, le questionne alors sur la présence de Séralini dans l'enquête en estimant que son étude est l'une des pires tromperies scientifiques de ces 10 dernières années. De leur côté, la journaliste au point Géraldine Vosner et l'animateur scientifique de M6 Olivier Lesgourg, alias Mac Lesgui, ont réagi sur les réseaux sociaux après la diffusion d'Envoyé spécial. La journaliste a qualifié l'étude de frauduleuse, tandis que l'animateur s'est insurgé que l'émission ait été préparée avec le fraudeur Séralini. Pour les 3 prévenus et leurs avocats, l'emploi des termes accusés d'être diffamatoires se justifie notamment car l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, qui évalue les substances actives contenues dans les pesticides en vue de leur autorisation par l'Union européenne, a rejeté les conclusions de l'étude de Séralini. Mais la vision de l'agence reste très partielle, comme l'explique François Veyrette, porte-parole de l'association Génération Future, donc François Veyrette qui est aussi membre d'Europe Écologie Les Verts, comme s'il fallait le préciser. Il l'était longtemps, il l'a longtemps été, je pense qu'il l'est toujours d'ailleurs. Pour être considéré par l'EFSA, les études sur les produits doivent répondre à un protocole qui demande beaucoup de temps et d'argent. Ce système d'évaluation favorise les études produites par les industriels au détriment de celles des universitaires qui ont moins de budget. Ainsi, en juillet, le FSA a de nouveau rendu un avis favorable sur le glyphosate, ouvrant la voie à une prolongation de son utilisation dans l'Union européenne. Pourtant, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, confirme depuis 2021 qu'il existe des liens entre l'exposition au glyphosate et le développement de certains cancers. Des conclusions partagées par l'Organisation mondiale de la santé, qui considère depuis 2015 la substance comme cancérogène probable. Déni à la barre. De quoi faire regretter à Patrick Cohen, Géraldine Vosner et Mac Lesgui leurs propos à l'encontre de Séralini? Que nenni! Au sujet de l'influence de la firme Monsanto dans l'entreprise de décrédibilisation du biologiste prouvée par les révélations des Monsanto Papers, Mac Lesgui a d'ailleurs une réponse parfaite. Les Monsanto Papers sont une construction d'avocats américains. Ça a été prouvé, a-t-il expliqué au juge sans en dire davantage sur les dites preuves. Au sujet de l'étude de l'OMS qui confirme les conclusions de Gilles-Éric Séralini, là aussi le déni est de mise. Marcel Kuntz, biologiste et directeur de recherche au CNRS, invité à témoigner en faveur des 3 prévenus, a même une théorie sur le sujet, brièvement évoquée lors de son passage à la barre et développée dans un texte publié par la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. L'instance aurait été captée par l'influence d'activistes anti-pesticides pour rendre sa décision. Le scientifique n'ignore lui-même rien des jeux d'influence qui persistent au sujet du glyphosate. Son nom est cité dans les Monsanto Papers en tant que membre d'un groupe de discussion privé nommé AgBioChatter, où scientifiques et représentants de la firme ont notamment échangé pour organiser une riposte médiatique à l'étude de Séralini. Cette campagne de décrédibilisation aura coûté beaucoup à Gilles-Éric Séralini qui en est à sa 8e poursuite pour diffamation et a pour le moment remporté tous ses procès.
Ce 1er septembre, le biologiste paraissait affaibli devant le tribunal, évoquant de nombreux problèmes de santé. La décision des juges sera connue le 17 octobre prochain. Donc le 17 octobre, on a eu la décision des juges qui était que du coup, ils ont gagné en fait le procès, et donc cette fois-ci, Gilles-Éric Séralini a perdu. Voilà. Alors, Estia nous dit qu'elle a pensé à moi. Le no-code, c'est un nouveau langage de programmation informatique. Bah non. Bah non, c'est justement pas ça. On va pouvoir lire ça, du coup. On va pouvoir lire ça. On va aller faire un tour dans les drôles et mignons quand même. Parce que c'est un petit peu. On a un petit peu zappé là. Où est-ce qu'on en était arrivé? On était rendu là. Petit tour. Voilà. Ah non, j'ai été déconnectée. Ouais, j'ai été déconnectée, normal. Normal. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai changé de mot de passe, parce que j'ai voulu me connecter avec une application qui s'appelle Beeper. Et il se trouve que l'application étant basée à Helsinki, j'ai été un petit peu jetée d'Instagram. J'ai même été complètement jetée d'Instagram. Beeper, ça s'écrit B2E. Alors les deux petits chats sont avec l'autre humain de la maison. Ils sont pas là. Alors Beeper, c'est une application de. C'est une application qui te permet de rassembler tous les réseaux sociaux en un même endroit. Ça s'écrit. Attends voir. Je te dis ça tout de suite. Ça s'écrit. Attends, parce que du coup, c'est pas du tout ce que je voulais regarder. Mais ça s'écrit B-E. Voilà, Beeper, comme ça. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Désolé, désolé. Non, 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 non. C'est celui-là. Ah, zut. C'est celui-là. Toutes tes chats dans une seule application. Donc là, tu as WhatsApp, Instagram, Slack, iMessage, Twitter, les messages de Facebook et Instagram, du coup. Instagram fonctionne pas très très bien. Par contre, les autres fonctionnent plutôt bien. Tu as aussi Telegram, LinkedIn, enfin, en fait, tu as tout. Tu as IRC aussi, c'est plutôt cool. C'est un agrégateur, ouais. C'est super pratique, par contre, pour y accéder, il faut s'inscrire sur une liste d'attente ou alors choper un code. La liste d'attente est assez longue. Il y a même Discord aussi. C'est pratique. Et du coup, j'ai voulu le mettre sur mon téléphone, mais il fallait que je repasse par l'application pour pouvoir l'enregistrer sur mon téléphone. Et du coup, d'ailleurs, ça tombe bien qu'on soit là. Je vais pouvoir le faire, vous dire si ça fonctionne sur téléphone. Mais ouais, le truc c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de mise à jour. Oui. Un petit souci de mise à jour. Je sais pas ce que vous utilisez l'appli, ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est bon, ça fonctionne. Je vais voir comment ça marche, je vous dirai comment ça marche. Mais là, je l'ai ajouté, donc j'ai tous mes messages, j'ai tous mes SMS, j'ai mes conversations Discord qui s'affichent,
messages privés. J'ai mes messages Twitter qui s'affichent aussi, WhatsApp aussi. Ouais, il y a vraiment tout, c'est vraiment pratique. Il y a les accusés de réception en lecture aussi. Telegram, visiblement. Message de Facebook, ouais, il y a vraiment tout qui fonctionne dessus. Donc je vais le mettre sur ma page d'accueil et je vais voir comment ça marche. Je tiendrai au courant des avancées de l'histoire. Non, c'est chouette. C'est chouette. On attend impatiemment les messages privés sur Blue Sky maintenant. Ouais, c'est pratique. Bref, donc on n'était pas du tout dans cette. C'était pas du tout ça qu'on devait aller voir. On devait aller voir ça. Voilà. Bonjour. Voilà. Ok. J'aime beaucoup cette vidéo. C'était très drôle. J'aime bien. La deuxième, donc, qu'on devait aller voir, c'était cet article-là. Du coup, c'est parti. Pierre Launay, le no-code, c'est un nouveau langage de programmation informatique permettant de développer des applications, sites web ou automatisation sans avoir à écrire une ligne de code. Donc, c'est très. Bête. Un article de Sébastien Larbeau du 26 octobre 2023. Alors que le No Code Summit vient de se tenir à la station F, donc j'y suis allée au No Code Summit, je vous l'avais dit, hein. Les 10 et 11 octobre dernier, rencontre avec le président du syndicat français des professionnels du No Code, Pierre Launay, donc je l'ai vu, ce monsieur, sur les enjeux d'avenir de ce secteur. Pierre Launay, pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas, peut-être, qui ne vous connaissent peut-être pas encore, pourriez-vous nous parler de vous et du SFPN? Je suis le CIO, le CEO et le cofondateur du groupe Cube, agence de développement informatique et organisme de formation spécialisé sur les technologies no-code, low-code et également président du syndicat français des professionnels du no-code, le SFPN, depuis janvier 2023. Mes associés et moi-même avons toujours fait en sorte d'évangéliser la pratique du no-code, low-code le plus largement possible depuis le lancement de notre activité en 2019, ce qui nous place parmi les pionniers du sujet en France et en Europe. La crise du Covid a permis d'accélérer fortement l'usage du no-code dans le monde et c'est dans ce contexte que j'ai aidé à cofonder le SFPN en 2022. L'idée était ainsi de fédérer les acteurs français et internationaux pour structurer l'émergence de cette filière professionnelle, que cela soit en travaillant sur des sujets de fond comme la reconnaissance de nouveaux métiers du no-code, mais également lors de grands moments de rassemblement tels que notre Tour de France et surtout l'organisation du No-Code Summit, après la première édition en 2022 au Cloud Business Center à Paris. Organisation de la seconde édition du No Code Summit à Station F les 10 et 11 octobre 2023. Alors c'était l'horreur le No Code Summit parce que tout le monde était les uns sur les autres, c'était vraiment l'enfer. Mais ouais, vraiment vraiment horrible. Je suis en train de regarder si je vois pas le logo de la boîte dans laquelle je bosse. Le terme No Code commence à être sur toutes les lèvres dans le secteur technologique. Pour nos lecteurs, pourriez-vous expliquer ce qu'est le No Code et pourquoi on le qualifie de révolutionnaire? Alors, du coup, moi, je travaille dans le domaine du No Code, parce que je suis consultante technique et fonctionnelle pour une application qui est vendue comme No Code. Donc, on ne fait pas, moi, je ne fais pas de code et je développe des applications sur une application sans code. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de code, hein. Bien sûr, il y en a, il faut bien développer l'outil, hein, et donc l'outil est développé avec une base de code, bien sûr, mais pour pouvoir développer des applications sur cet outil, comme utilisateur, on n'a pas besoin de coder, pas besoin de savoir coder. Pierre Launay, le no-code c'est un nouveau langage de programmation informatique, donc c'est pas un langage de programmation informatique. Pas un langage du coup, c'est pas du code. Permettant de développer des applications, sites web ou automatisation sans avoir à écrire une ligne de code, les outils no-code offrent donc un environnement de développement que l'on peut qualifier de full stack, c'est-à-dire contenant l'ensemble des propriétés fonctionnelles permettant de gérer les aspects front, interface parcours utilisateur, UX, UI, device, etc., les aspects back, logique métier, automatisation, connexion API, etc., et la structuration de la donnée de manière dynamique, construction d'une base de données reliant le front et le back pour donner vie à des solutions digitales. Numériques, solutions numériques.
Nous parlons de low-code quand les outils permettent d'ajouter des briques de code afin de pousser le développement de solutions ou de simplement personnaliser certaines parties. Ainsi, le no-code et le low-code revêtent un caractère révolutionnaire pour trois principales raisons. Permettre une plus grande accessibilité à des profils métiers n'ayant jamais fait de programmation ou études techniques au préalable. Assurer un gain de temps et de productivité très important dans le développement de solutions digitales, ça m'énerve quand ils disent digital comme ça là, de solutions numériques telles que, désolé, hop, telles que les applications ou sites web. 90% des besoins digitaux peuvent être des besoins numériques. Ah! Peuvent être réalisés en 10% du temps grâce au no-code. Rationaliser la ressource des projets IT. Une seule personne peut gérer les aspects front, back et données quand il fallait hier un développeur front, un développeur back et un développeur DevOps. En ce qui concerne cette tendance du no-code, où se positionne la France et l'Europe sur la scène internationale? Si les États-Unis sont pionniers dans l'usage quotidien des entreprises dû à la facilité d'accès créée par les hébergements cloud américains, la France a une place à part dans la mesure où c'est elle qui a porté et donné vie au premier salon international dédié au no-code, le No-Code Summit. Rassemblant plus de 1500 participants en quelques mois, la première édition en 2022 fut un grand succès qui marqua davantage qu'une réunion de passionnés en cristallisant une véritable filière professionnelle en émergence, agence, organisme de formation, freelance, éditeur, tous réunis à Paris et venus du monde entier pour partager et tisser des relations commerciales de long terme. Je regarde là si on le voit encore, mais j'ai pas l'impression qu'il soit affiché dans les logos, toujours pas. Le choix de mettre l'intelligence artificielle au cœur du no-code, ce mythe 2023, est particulièrement audacieux. Pourquoi avoir orienté l'événement autour de cette thématique? La principale raison de mettre l'intelligence artificielle au cœur du no-code ce mythe provient de sa conjugaison quasi naturelle et automatique avec l'utilisation des outils no-code. Nous pourrions même être légèrement provocateurs en disant que ChatGPT est un outil no-code, dans la mesure où, sans utiliser de programmation informatique traditionnelle, il est possible de générer de la donnée de manière structurée et cohérente afin de répondre aux besoins digitaux dans leur pluralité. À titre d'exemple, une connexion API entre ChatGPT, Google My Business et Make, ex-Intergromat, permet d'automatiser la réponse aux avis clients Google et d'améliorer significativement la relation client du plus petit commerçant à la plus grande plateforme e-commerce du marché. C'est une révolution. Les éditeurs no-code ont su tirer profit de l'arrivée de l'IA en intégrant à leur technologie et en permettant de décupler la puissance du no-code sur l'ensemble des cas d'usage. C'est la raison pour laquelle il nous paraissait structurant d'associer no-code et IA lors du no-code summit cette année. Alors, je confirme un truc. L'IA, enfin ChatGPT, ce qui est cool avec ChatGPT, c'est que je peux maintenant faire des... Quand, de temps en temps, j'ai besoin d'avoir des règles d'expression régulières, hein, comme dans la plupart des cas. Donc c'est la limite à laquelle je peux arriver parfois par nécessité de faire du code. Et donc je fais appel à ChatGPT pour lui demander, j'ai besoin d'une règle d'expression régulière pour faire ça. Voilà. Et ChatGPT me répond. Et c'est vrai que j'utilise de temps en temps. Alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau est-ce que les gens qui travaillent dans ce domaine-là l'utilisent. Mais moi, j'utilise ChatGPT et j'ai pas de problème à utiliser ChatGPT pour faire ce genre de choses. Parce qu'une règle d'expression régulière, je pense que personne... Voilà, les personnes qui savent écrire des regex sans... Donc, les règles d'expression régulière sans aide sont très rares et très, très douées, hein, pour le coup. Parce que retenir ce genre de truc, ça sert pas à grand-chose. Mais c'est bien de le savoir, hein, mais bon, voilà. Et les règles, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une regex, mais les règles d'expression régulière, c'est des règles qui vous permettent d'écrire des choses, enfin de forcer l'écriture de certaines choses dans des zones d'écriture utilisateur. Voilà. Et a priori, moi, j'utilise pour ça. Alors, tu disais, du coup, vous gérez comment le besoin de puissance pour les serveurs? Bah, je sais pas, quelle est la question. Pourquoi c'est interdit? C'est con que ce soit interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est comme interdire les portables, interdire les ordinateurs portables en cours ou interdire les téléphones portables en réunion, tu vois. Pourquoi c'est très con? Je trouve ça très con. Quels sont les horizons futurs pour le SFPN, des projets ou des initiatives spécifiques que vous souhaitez partager?
Après l'édition de Code Summit 2023 à Station F, l'action du SFPN continuera à mener de front ces trois grandes missions. Sensibiliser, évangéliser le no-code en France et à l'international. Nous avons pour projet de continuer à fédérer le plus d'entreprises prestataires et utilisatrices de no-code possibles au sein du syndicat en relançant notre initiative du Tour de France. Au travers de cette initiative, notre volonté est d'aller à la rencontre des acteurs privés et institutionnels locaux afin de placer le no-code en solution concrète face aux problématiques de compétitivité, d'inclusion et de transition numérique des entreprises locales. Nous souhaitons également conclure le Tour de France 2024 avec la troisième édition du No-Code Summit à Paris aux alentours de début octobre 2024. Ce serait bien que cette fois-ci, ce soit pas à la station F puisqu'on était entassés les uns sur les autres, c'était l'enfer. On pouvait même pas marcher, on pouvait pas bouger quoi. Les stands t'avais 2 mètres carrés et tout le monde était à 2 mètres carrés côte à côte quoi, collés les uns aux autres, c'était l'enfer. Travailler sur des sujets de fonds bénéfiques à l'ensemble de la filière. Lancement du chantier de normalisation AFNOR afin de préciser les contours de l'activité no-code et ce, en créant de nouveau un précédent français dans la structuration de la filière avec une ambition de normalisation européenne. Nous souhaitons également suivre de près la réponse à appel à candidature de France Compétences dans la reconnaissance du métier développeur no-code. Fédérer les acteurs pour structurer la filière en décentralisant le mouvement. Le SFPN est né à Paris, mais le Tour de France 2023 a montré que ces acteurs étaient répartis de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire français, que cela soit à Nantes, Lille, Toulouse, Lyon ou Marseille. Le no-code est partout et un projet de décentralisation du mouvement syndical sera porté pour étendre la force du réseau et de la filière au cours de l'année 2024. Il faut lui expliquer que les docs internes, il ne faut pas tout traduire par DeepL ou Google quand il y a les données confidentielles. Et ça, oui, le code et la demande ne t'appartiennent plus. Effectivement, c'est vrai. D'accord, je comprends. Je comprends pourquoi, du coup. Ah, allez. En tout cas. Hop. On va voir ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est ? Attends. Oh wow, I'm so beautiful. Je sais pas si c'était ça que voulait nous montrer Marine. Eh mais c'est quoi ça ? Happy Halloween. Quelle horreur. Alors, qu'est-ce que ça fait une... Je sais pas si... Je me semble qu'on l'avait... On l'avait déjà regardé. Donc là, c'est une boule de bowling. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 PSI. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1, release. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc dans le vide absolu, une boule de bowling tombe aussi rapidement que des plumes. Ah. Voilà. Terrorisme, crime de guerre.
Oui, c'est ça, mais il fallait le prouver. Terrorisme, crime de guerre ou crime contre l'humanité. Les mots justes pour qualifier les violences. Depuis l'attaque lancée par le Hamas sur Israël et la riposte de l'État hébreu, chaque camp accuse d'autres d'avoir frappé les populations civiles innocentes et de les avoir prises en otage ou de les avoir bombardées. Comment qualifier juridiquement ces faits? Quelle différence y a-t-il entre un crime de guerre, crime contre l'humanité et acte terroriste? Un article de Jérôme Ourdeau. Depuis l'attaque menée, donc publiée le 15 octobre, hein, c'est il y a 15 jours à peu près, voilà. Depuis l'attaque menée par le Hamas contre Israël, samedi 7 octobre, et la riposte implacable de l'État hébreu enclenchée dès le lundi, les accusations réciproques fusent crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire génocide, et bien entendu terrorisme. Chacun des camps accuse l'autre de s'être attaqué à des populations civiles, dont des enfants, de les avoir prises en otage ou de les avoir bombardées. Alors que la riposte israélienne à l'attaque du Hamas ayant fait plus de 1200 morts ne semble que débuter, elle a déjà fait plus de 2200 victimes côté palestinien. De nombreux civils figurent parmi les morts, les blessés, les otages pris par le Hamas et les familles déplacées par les bombardements israéliens dans une bande de Gaza assiégée. Que valent ces accusations au regard du droit international? Comment qualifier les violences et les exactions commises depuis une semaine? De quels recours disposent les victimes et que risquent les coupables? Donc là, ça, c'est un immeuble touché par une frappe israélienne à Gaza le 9 octobre 2023. Comment qualifier les faits? Julia Grignon, professeure de droit international humanitaire à l'Université Laval et directrice de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, commence par poser les bases des actes punissables. En droit international, il y a 4 crimes, l'agression, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le génocide, explique-t-elle. L'agression ne nous intéresse pas dans cette situation. Le crime de guerre est une violation d'une des conventions de Genève commises dans le cadre d'un conflit armé. Le crime contre l'humanité est une attaque généralisée et systématique contre une population civile. Il peut être commis en temps de paix, contrairement au crime de guerre, et le génocide est la destruction de toute une partie d'une population. Ces qualifications ne s'excluent pas mutuellement, précise Julia Grignon. Un meurtre peut constituer un crime de guerre commis dans le cadre d'un crime contre l'humanité ou d'un génocide. La bande de Gaza est un territoire occupé, donc avant de se prononcer sur les derniers événements, la juriste tient à rappeler que ceux-ci s'inscrivent dans un conflit préexistant. Depuis 1967, la Cisjordanie et le plateau du Golan et la bande de Gaza ce sont des territoires occupés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Cour internationale de justice, la CIJ, dans un avis de 2004. Et bonjour Princesse 3000 et bonjour Roscoe. Ce statut de territoire occupé octroie à ceux-ci certains droits garantis par le droit humanitaire visant à protéger leur population placée dans une situation de grande vulnérabilité, car elle se trouve sous le contrôle d'une puissance occupante, poursuit Julia Grignon. Depuis la décision de la CIJ, précise-t-elle, les choses ont pourtant changé. En 2005, l'armée israélienne s'est retirée unilatéralement de la bande de Gaza, peut-être pour ne plus être considérée comme une puissance occupante. Elle conserve cependant toujours un contrôle total, terrestre, maritime et aérien. La doctrine estime donc que la bande de Gaza est un territoire occupé. C'est donc dans le cadre de ce conflit préexistant que, le 7 octobre dernier, un groupe armé de ce territoire occupé a mené une attaque de grande ampleur, reprend la juriste, sur les actes en eux-mêmes, c'est le droit humanitaire qui s'applique. Et dans le cadre de l'attaque du Hamas, sa violation est évidente, on peut attaquer des militaires, mais pas des civils, on peut détenir des gens, mais pas commettre des prises d'otages. Des personnes peuvent être tuées, il faut être réaliste, nous sommes dans le cadre d'un conflit armé, mais le meurtre et les exécutions sont interdites. Concernant l'attaque du Hamas, les faits sont là, exécuter des civils, femmes et enfants, à bout portant, c'est abominable. Concernant la riposte, ajoute la juriste, pour l'instant, l'armée israélienne bombarde massivement la bande de Gaza. Si elle cible une position du Hamas, c'est un objectif militaire et elle peut frapper, même si c'est une base installée dans un bâtiment civil. Israël a le droit de riposter. En revanche, on n'a pas le droit de bombarder des civils. La question de savoir si toutes les frappes israéliennes ont touché les bases du Hamas va donc se poser. Il y a par exemple une mosquée qui a été frappée. Y avait-il des membres du Hamas à l'intérieur? Nous sommes dans une situation de conflit armé au sein duquel les attaques du Hamas et la riposte d'Israël pourraient relever des crimes de guerre, abonde Marina Eudes, professeure de droit international au Centre de droit international de l'Université Paris-Nanterre. Dans le cas du Hamas, les actes de terrorisme sont interdits et s'en prendre à des civils est un crime de guerre. Concernant la riposte israélienne, il y a eu des bombardements de zones civiles et il y a en plus la mise en place d'un blocus qui pourrait à terme mettre en danger la vie de personnes. Et ce, alors qu'Israël a ratifié la 4e convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
C'est vrai, Mimi Lost a raison. Bonjour, Miss Julia. Le siège n'est pas interdit en soi, complète Julia Grignon. On va cependant regarder les effets produits par le siège, s'il va affecter la population dans un sens contraire aux droits humains. Ainsi, provoquer une famine est interdit. De même, on n'a pas le droit d'interdire l'assistance humanitaire lorsque l'on coupe l'électricité pour toute la population. Cela va toucher également, par exemple, les hôpitaux, poursuit la juriste. Et lorsque leurs groupes électrogènes seront à court d'essence, cela mettra en danger la vie de patients, comme ceux placés en réanimation. Est-il déjà possible de déterminer dans quelle catégorie de crime entre les éventuelles exactions commises par les deux camps ? Je ne fais pas de gradation dans l'horreur, pose en préambule Julia Grignon. Il y a à l'évidence des crimes de guerre, constate ensuite la juriste. Mais pour aller plus loin et caractériser un crime contre l'humanité, il faudra prouver qu'il y a eu une attaque généralisée et systématique contre une population civile, pointe la juriste. Ce qui est déjà plus difficile à prouver juridiquement, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des crimes contre l'humanité, insiste-t-elle, mais c'est pour cela que les juges prennent du temps pour enquêter. Il faut se méfier des déclarations politiques. Les enquêteurs pourront par ailleurs éclairer les faits à la lueur des déclarations des responsables politiques et militaires des deux camps, comme celle du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, dans laquelle il affirme combattre des animaux humains. C'est abominable de parler comme cela, estime Julia Grignon. C'est comme le fait de déclarer que l'on ne fera pas de quartier, c'est interdit par le droit international. C'était le 15 octobre, donc c'est un petit peu ancien maintenant. Ça date du 15 octobre. Ouais. Je sais plus où est-ce que j'en étais là. La charge symbolique de l'accusation de terrorisme. Reste la qualification de terrorisme. Pour Johan Soufi, avocat international, la question ne se pose pas au niveau du droit international. Le concept de terrorisme relève principalement du droit national, car il fait l'objet d'une instrumentalisation politique généralisée au niveau international, explique celui qui a été notamment procureur international en Ukraine et chef du bureau des affaires juridiques de l'agence de l'ONU pour les réfugiés de Gaza. Un pays comme l'Iran, par exemple, considère que toute personne qui s'oppose au régime est un terroriste. Et n'importe quel régime autoritaire sait que la lutte contre le terrorisme est le meilleur prétexte pour s'attaquer aux libertés publiques et aux opposants. Bienvenue en France. Il n'existe d'ailleurs aucune définition universelle du terrorisme. Il y a bien eu des tentatives, précise Johan Soufi, mais elles ont toutes échoué, principalement en raison de deux obstacles. Le premier est la notion de terrorisme d'État. Certains pays veulent que l'on puisse qualifier d'actes terroristes des opérations de terreur commises par des États, tandis que d'autres s'y opposent formellement. Le second obstacle est la reconnaissance des actes conduits par les mouvements de libération nationale. Les États, souvent anciennement colonisés, estiment que dans la définition du terrorisme, il faut conserver une certaine marge de manœuvre en excluant les mouvements de lutte armée contre un occupant, et ce même lorsqu'ils usent de la terreur. Et c'est là également un point de dispute central dans le conflit israélo-palestinien. Ça ne me choque pas qu'on qualifie le Hamas de groupe terroriste, Johan Soufi, juriste international. En France, pourtant, cette question est d'une sensibilité extrême. Pourquoi la reconnaissance du caractère terroriste de l'attaque du Hamas est-elle si importante pour toute une partie de la classe politique ? En quoi cette qualification serait-elle plus grave que le crime contre l'humanité ou le crime de guerre ? Et en miroir, pourquoi certains dirigeants de la France insoumise s'obstinent-ils à refuser d'employer le terme terroriste ? Ça ne me dérange pas d'utiliser pour qualifier les actions du Hamas le terme terroriste, mais d'une manière générique, explique Johan Soufi. L'attaque du 7 octobre visait effectivement à créer la terreur dans la population israélienne et ça ne me choque pas qu'on qualifie le Hamas de groupe terroriste. En revanche, poursuit l'avocat, d'un point de vue juridique, je ne préfère pas utiliser ce terme qui ne correspond pas à grand-chose au niveau du droit international humanitaire. Je ne comprends pas forcément la symbolique recherchée. Qu'est-ce que ça ajoute à la condamnation ? C'est l'AFP, je crois, qui a décidé de ne plus utiliser le terme terroriste pour qualifier le Hamas. En fait, c'est pas si con que ça, étant donné ce qu'on lit là. Je trouve que c'est un débat déshonorant à la fois pour la France et Israël, s'agace de son côté Julia Grignon, vu ce qu'il se passe sur place. Le fait de... Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Bah alors. Bonjour. Bonjour, chaton. Comment ça va? Ça va ce matin? Oh, qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Tu viens là? Oh oui, bonjour, petit chat. Et petit chaton. Voilà, on a un petit chat. Oh, ouais. Ah. Bah oui, c'est cool. Allez, on reprend.
Le fait que ce qui occupe la vie politique française, c'est de savoir si oui ou non on peut qualifier ces actes de terroristes, est désolant. Ouais, c'est pas la seule chose qui occupe la vie française. Mais... Les actes du Hamas peuvent bien entendu être qualifiés de terroristes, ajoute la juriste. Je n'ai aucun problème avec ça, mais ils peuvent aussi être des crimes de guerre, ou les deux, voire des crimes contre l'humanité. La qualification terroriste n'apporte rien. Marina Eudes souligne de son côté que ce caractère symbolique de terroriste... ce caractère symbolique du terrorisme s'est développé depuis les attentats du 11 septembre. Le terme terroriste a acquis un caractère encore plus infamant qui a fini par prendre le pas sur toute autre qualification. En outre, si elle n'a pas d'incidence en droit international, la qualification terroriste ouvre bien souvent la voie, au niveau national, à des procédures dérogatoires au droit commun. Au niveau des juridictions nationales, beaucoup de pays ont adopté des législations d'exception avec des procédures simplifiées permettant de réprimer plus vite et plus fort, rappelle Marina Eudes. Joanne Soufi pointe également une particularité nationale en France liée au traumatisme de l'attaque du Bataclan en 2015. Ça fait appel à une émotion familière, ce qui s'est passé en Israël lors de l'attaque de la Rave Party, ça fait écho à ce qu'ont vécu les Français alors que c'est un contexte différent. Quelle juridiction compétente? Une fois que les crimes commis durant le conflit ont été caractérisés, comment les sanctionner? Quelle juridiction est compétente et dans quelles conditions? En premier lieu, il y a une responsabilité de chaque État de punir les auteurs de crimes commis sur son territoire, explique Joanne Soufi. En l'espèce, l'État israélien serait le premier à être légitime pour enquêter sur les exactions commises sur son sol. Mais les autres États peuvent également agir, ajoute l'ancien procureur international. Chaque pays a tout d'abord une compétence pour enquêter sur les actes commis sur les ressortissantes et ressortissants. C'est ainsi qu'en France, le parquet national antiterroriste de PNAT a annoncé le jeudi 12 octobre avoir ouvert une enquête, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il existe également en droit international un principe de compétence universelle autorisant chaque État à se saisir de certains crimes particulièrement graves, de guerre contre l'humanité ou de génocide, même lorsque ceux-ci ont été commis hors de son sol et qu'aucun de ses ressortissants n'en a été victime. Ce principe s'applique cependant différemment en fonction des pays. Longtemps, la compétence universelle française a ainsi été fortement limitée par le principe de double incrimination exigeant que l'infraction soit sanctionnée en France et dans le pays d'origine. Ce verrou n'a été levé que par une décision de la Cour de cassation rendue le 12 mai dernier. Enfin, lorsque les poursuites ne sont pas possibles au niveau national, la Cour pénale internationale, la CPI, basée à La Haye, aux Pays-Bas, peut être saisie. La CPI est là pour assurer une complémentarité, explique Joanne Soufi. Il est toujours préférable que les poursuites soient menées au niveau national. La CPI est là lorsque cela n'est pas possible. C'est le cas, par exemple, quand il y a un problème de légitimité, d'impartialité des poursuites au niveau national. Je poursuis l'ancien procureur international. Imaginez un Israélien arrêté et jugé en Iran ou un Palestinien en Israël. Or, il se trouve que la CPI a déjà été saisie par la Palestine, qui, bien que ne bénéficiant pas du statut d'État à part entière, a adhéré en tant qu'observateur au traité régissant la Cour en 2015. Ainsi, peu importe depuis cette date qu'Israël refuse toujours de ratifier ce traité, il s'agit d'un critère territorial et personnel, explique Joanne Soufi. À partir du moment où les crimes sont commis en Palestine ou par des ressortissants palestiniens, la CPI est compétente pour enquêter. En février 2021, la CPI a rendu un avis affirmant sa compétence pour traiter des territoires occupés et ouvert la voie à une enquête que la procureure Fatou Bensouda devrait mener. Celle-ci est en premier lieu motivée par l'opération Bordure Protectrice, lancée durant l'été 2014 contre Gaza par l'armée israélienne, qui est accusée d'attaques disproportionnées. Mais l'enquête porte également sur des faits postérieurs à cette attaque commis par l'armée israélienne comme par le Hamas. Donc les faits en cours sont compris dans cette enquête, insiste Joanne Soufi. L'opposition du gouvernement israélien à une enquête internationale poserait tout de même certains problèmes. À partir du moment où l'État s'oppose à la procédure et refuse de participer, les enquêteurs ne pourront pas, par exemple, se rendre sur place, explique Joanne Soufi. Alors que l'Ukraine accueille les enquêteurs internationaux à bras ouverts, avec Israël, cela sera beaucoup plus compliqué. Le 17 mars 2023, la CPI a en effet émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l'enfant russe Maria Lvova-Belova pour la déportation d'enfants ukrainiens en Russie. Une fois l'enquête menée, la CPI a le pouvoir d'émettre des mandats d'arrêt contre les responsables des crimes qu'elle a pu identifier. Dès lors, tous les États ont l'obligation juridique de coopérer et de contribuer à son arrestation, précise Joanne Soufi. C'est pour cela que Vladimir Poutine a dû renoncer par exemple à se rendre en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS. Pour l'ancien procureur international, il est tout à fait envisageable que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ou d'autres responsables israéliens se retrouvent dans la même situation. Pourtant, 2 ans
Après l'ouverture de l'enquête, celle-ci semble au point mort. Le procureur peut enquêter depuis 2021, mais pour l'instant, on n'a rien vu venir, regrette Marina Heud. Alors que la région s'embrase, beaucoup souhaiteraient entendre le procureur prendre position. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la CPI, dont on attend qu'elle réagisse, explique la juriste. Dans une tribune publiée le 21 septembre dernier dans Le Monde, intitulée « Le futur de la Cour pénale internationale se joue aussi en Palestine », dans laquelle il appelait à accélérer les enquêtes, à accélérer ses enquêtes en Palestine, Johann Soufi pointait un manque de détermination en comparaison à l'enquête sur les crimes russes commis en Ukraine qui avait débouché sur un mandat d'arrêt en un an. La CPI doit donner l'impression de mener une politique pénale équitable car elle est l'expression de la volonté de la communauté internationale de lutter contre l'impunité, argumente l'avocat auprès de Mediapart. Il est très important que la CPI tienne compte de cette dimension expressive et traite toutes les situations avec impartialité. Or, quand on voit ce qu'il a été possible de faire en Ukraine et ce qu'il ne semble pas avoir été jusqu'à présent en Palestine, on ne peut que constater une différence dans la manière dont la justice internationale s'applique, poursuit-il. Il ne devrait pas y avoir deux poids deux mesures. Entre l'opposition d'Israël à toute enquête indépendante et le manque de volonté de la communauté internationale, les chances de voir aboutir une enquête de la CPI dans les territoires occupés peuvent sembler bien minces. « Je suis encore confiant », assure pourtant Johann Soufi. « Cela fait 17 ans que je travaille dans ce domaine et que j'ai déjà vu se réaliser des choses que l'on pensait impossibles, comme le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. » « Après, je suis conscient des réalités politiques et diplomatiques », admet l'ancien procureur international. « J'ai donc une confiance teintée de réalisme, mais pour la situation en Palestine, la justice internationale est aujourd'hui la seule voie en l'absence de volonté politique de solutionner le conflit. J'aimerais que ce soit la diplomatie, mais ce n'est malheureusement, pour l'instant, pas le cas. » Donc c'est un article de Jérôme Rourdeau, donc qui date du 15 octobre 2023. Je crois qu'en l'état, on est toujours au point mort au niveau de l'enquête de la Cour pénale internationale. N'est-ce pas? On l'entend beaucoup taper ou... Oui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez eu de la pub là depuis le début du live? Est-ce que vous avez vu passer de la pub ou pas? Parce que je voulais savoir si... Tu viens, Loulou? Loulou? Il est juste au coin, là. Parce que j'ai désactivé les pubs. Normalement, on est censé, c'est censé être réduit beaucoup. Bienvenue, Bob Gamble, parmi nous. Merci pour le follow. Tu es donc le 1550e follower. Donc, il y en a eu à ton arrivée, mais t'en as pas eu depuis. Et avant vous en aviez, pendant le live, vous aviez des coupures pubs ou des trucs comme ça ou... C'est juste pour savoir comment ça marche. Moi, j'en ai pas. Normal. Heureusement, t'imagines, en plein milieu du live, je me tape une coupure pub. Ok, donc ça n'a rien changé. Ce que j'ai fait n'a rien changé. C'est pas grave, voilà, voilà. Tu viens, Loulou? Tu viens? Viens dire bonjour? Non? Pas bonjour. Pas de bonjour du chat. Mais de rien. Bah, de rien, Bob, aucun souci. Je suis contente de le faire, tu sais, t'inquiète. Alors, on va repasser sur ça. Et... Pas souvenir, du coup, jamais en fait. Il faudrait peut-être que je réactive finalement. Ouais, t'as gagné un chat! On l'avait tous vu déjà, celui-là, on l'a déjà vu. Loulou veut pas venir. Alors, bon, je pense qu'il va venir tout à l'heure, on va passer la journée ensemble, mais là, il veut pas venir. Allez, un autre article. Qu'est-ce qu'on a d'autre là ce matin? On avait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Noah Opinion. Noah Opinion. Ok, donc on reprend toujours. Je suis heureux que le bombardement d'un hôpital se soit révélé être une fausse nouvelle, mais il reste vrai que de nombreux habitants de Gaza meurent à cause des bombes. Nous ne pouvons donc pas vraiment pousser un soupir de soulagement. Et
Et ça, il est où? Il est passé. Salomon, Slimane, vous ne seriez pas cousin éloigné. Rabbi Jacob a 50 ans, c'est un film d'aventure qui est porteur de fraternité, de paix et d'espoir. C'est vrai que c'était chouette. Comme film. C'était un beau film. Ah merde, désolé. Ah zut. Je remets. Bah, vous l'avez tous vu. De toute façon. Donc je disais, hop, on a ça, hop, voilà. Et puis, je remets ça. Alors, on a encore ça, du coup. Le cofondateur du Hamas reconnaît que des erreurs ont été commises lors des attaques du 7 octobre et affirme que le groupe est prêt à libérer les femmes, les enfants et les étrangers qu'il détient en otage si Israël accepte une pause de 24 heures. Entretien avec Hassan Youssef, chef du Hamas en Cisjordanie. Est-ce qu'on va lire ça? Est-ce qu'on peut le traduire? Est-ce qu'on a accès à la totalité? Non, on peut pas. On ne peut pas. Visiblement, on n'a pas le droit. Voilà, désolé. Ploup. On est allé voir le tweet hein, déjà. Mais on va aller regarder ça quand même. Ça, c'est sympa. C'est en anglais, mais vous allez comprendre, je pense, quand même. C'est pas si compliqué à comprendre. Ah non. On October the 7th. Tiens. Oh, it was terrible, of course. I mean, we kind of get our news kind of also second hand because, you know, my wife's family, they live in Gaza. They have cousins and uncles there. And their house also was bombed. We haven't been able to communicate with them for the past 3 days. Communication are lost. So we don't know actually what is the, how are they doing, but you know, we're used to that. I mean, it's very repetitive. We're used to that. We're used to them being bombed every time and moving from one place to the other. You know, it's just like those Palestinians, they're very dramatic. Ah, Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. You know, they're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know because I'm married to one. I tried many times, couldn't kill her. I mean, there's a dark humor there, and I understand why. Because no, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out. Again, I understand the humor, but to be serious, Bassem, about this. C'est horrible. Tonight, there okay, is. I will be serious. Now, I will be serious. I was watching your interview with Ben Shapiro, and I'll tell you one thing. Yeah. I think that Ben Shapiro is one of the smartest people who ever walked this earth. He's very, very smart. I follow him, and I believe everything he said. And when he came out on your show, his solution was, and I quote, his solution was, that the solution for this is for Israel to annex Gaza and to kill as many son of bitches as possible to make sure that this will never happen again. And anyone who call for a ceasefire will be a terrorist sympathizer. So God forbid, I don't want to be labeled as a terrorist sympathizer. So I agree with Ben Shapiro. I think we should kill as many son of bitches as possible. Well, let me, so okay. Far, but Bassem, let me. So far, 3,500 people were killed. Mm. Including 5,000 son of bitches in the bombing of the Baptist hospital as we speak right now. Mm-hmm. One third of those 3,500 were children. So my question to Ben Shapiro is, how many more son of bitches do we need to kill so Ben Shapiro is happy? Okay, because it changes from one year. Let me just stop you there. I'm sorry that
Please, I'm really at a disadvantage here. I'm looking at a camera. I don't see you. I can hear you on my ear. The reason I'm interrupting is I think you might be. I think you're conflating different interviews with Ben Shapiro. He didn't use the phrase "sons of bitches" with me. Let me play to you what he actually said on my show. He did. Go back to your interview. No, he didn't. That was another interview. But let me play what he said to me here. Well, frankly, I don't believe in proportionate response to terrorism. I believe that the way that you stop terrorism is with wildly disproportionate response. That doesn't mean in terms of targeting civilians. It means in terms of killing as many terrorists as humanly possible and allowing them to dictate the terms of engagement by hiding behind civilians in areas that they're supposedly responsible for means that the only option for Israel is to surrender to Hamas's hatred of its own citizens, its willingness to use its own children as human shields. No country worth its salt could ever do that. Now, that is substantively different to what you said he said, right? He's talking there specifically about Hamas terrorists. I agree with him. The thing is, the question is, what is a proportionate response? Because yes. It has been different from one tier to another. So if you look to this graph, for example, this is the death of Israeli and Palestinians, and it's changing from one year to year. It's like fluctuating like crypto. So my question is today, what is the going rate today for human life? I mean, 2014 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died, and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. That is one Israeli for 27 Palestinians. That is a very good exchange rate. What I'm saying is, what is the exchange rate well, for today? Well, you guys will be happy. That's my question. Well, it's not me. It's not me, guys. I'm not on either side. No, not you. Like when I say you guys, I say like the people on the other side of that. I know that you don't think like that, Pierre. You are one of the good guys. But let me tell you something. I mean, the reason that I'm using this is that, I mean, I can't remember what happened in 2014, and there was no music festival, but there must be something. I mean, they must do something. It is their fault. It has to be something. I mean, 2018, 300 Palestinians died. Who's counting, you know? So the thing is, what my question is, let's find what is the exchange rate for human life today so we know, expect the future death of Palestinians, and we'll be happy to it. My response to that would be this, Bassem. I've thought carefully about this because I think it's very tricky for people like me to immerse ourselves into a conflict where we're not directly involved. And I thought carefully about what I feel about this. I feel that the scale of what Hamas did on October the 7th supersedes anything else I've seen in this conflict, really ever. The savagery, yes. The butchery, the slaughter of 1,300 people, the shooting of babies, the 100%. Kidnapping of grandmothers, and so on. So if we can agree on that, which I think is inarguable, then the question then becomes, again, about proportion. I don't disagree that there's been a lot of bad stuff on both sides going back historically for decades. But if we agree that this was on a different level altogether, quite deliberately by Hamas, let me ask you a question. Uh-huh. And the question, what's because the you raised it earlier about proportion. I honestly don't know what the proportionate response is. I honestly don't. I've been watching the airstrikes this week thinking. So what's your question? Well, I would ask you, if you were Israel, what would you... If I was Israel. If you were Israel and that had happened to you, what would you think would be the appropriate way for the country to respond? I would do exactly like Israel did, kill as many people as possible since the world is letting me do it. I mean, I can do it because I can, you know? But the thing is, you know what? I agree with you. And you know what? I'm going to be even ahead of you because I see the question coming. Do you condemn Hamas for the atrocity? Yes, I condemn Hamas. Hamas is the source of all evil. They're the reason for Israel. And you know what? Let's, for a minute, imagine a world without Hamas. Right. What will this world look like? Let's give this word a name, and let's name this word the West Bank. Hamas has absolutely no control in the West Bank, and since the beginning of this year, only through August, 37 Palestinian kids were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. Since the occupation of the West Bank, 7,000 Palestinians were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. I can go on and on and on and on. No, but you don't need to, because in a way, you're preaching to the choir. I've followed this crisis. Oh no, you're not preaching. So the thing is, like, I know that what you're saying has validity. Of course, Piers, by the way, I am at a disadvantage here. I can hear you. I cannot see you. I am in a claustrophobic room, and so please cut me some slack and don't interrupt me and interrupt my point. Sure.
So because this has to be fair. Understand. Because if you want to only hear your opinion, I can just condemn Hamas and go home. Mm-hmm. I can do that. So if you, do you want to do that, or do you have a much more nuanced conversation? No, I absolutely want to have a nuanced conversation. I wasn't aware I was interrupting you. I thought I was letting you speak. Amazing. So let's, I would say I really applaud Israel for doing one thing that no military force in the world does. Because I heard Ben Shapiro and I heard Ron DeSantis, and they said Israel is the only military force in the world that warns civilians before bombing them. I mean, how fucking cute. That is so nice of them. So, because with this logic, if Russian troops started warning Ukrainians before bombing their houses, we're cool with Putin, right? I mean, okay, Habibi, you have warned them, go invade, it's fine, you have done your job. I mean, the thing is, and I understand, and I also heard Ben Shapiro talking about Human Shield. So you remember my wife's family, they live in Gaza. So I asked them, I told them, when Israel give you the nice warning, the cute warning, does Hamas force you to stay in your home so you can be bombed and use as human shield? You know what, Hassan here, my wife's cousin, he's a loser, you know? He told me, you know, when I asked him, does that happen? He told me, no. The lying son of a bitch lied to me. I told him, you don't understand. Ben Shapiro and Ron DeSantis keep saying that Israel warns you and Hamas asked you to stay put. So I told you, he's a loser, he never kept a job. He even like failed in all of the interviews to become like a human shield. I would believe right, Ben Shapiro. Let's go with that. No. Let me ask you. At some point, I must be able to ask you questions. If we agree that for the 14,000 casualties, I mean, who's counting, are human shield, does that mean that every single one of those civilians was standing, obscuring a military target behind them? Because that's a lot of weapons. I mean, Hamas is packing. No, of course it doesn't. L'interview dure 26 minutes. L'interview dure 26 minutes. C'est 26 minutes très très intéressantes. Je suis complètement absorbée par l'interview et il faut les regarder. Vraiment, c'est très intéressant ce que raconte. Donc, comment il s'appelle ? Je me souviens plus son nom. C'est un humoriste palestinien en fait qui est parti s'installer aux États-Unis et qui est très intéressant. Alors je sais pas s'il est palestinien ou ouais, il est palestinien. Mais du coup c'est très enfin c'est le c'est en fait ce qu'il dit est très juste et c'est vrai que ça fait du bien à entendre égyptien, ouais, c'est ça, égyptien. Bienvenue des Dilo 2 parmi nous, merci pour le follow. Je vous invite à le regarder, surtout que enfin voilà, c'est de l'humour noir, mais en fait c'est un humour qui tombe très très bien. C'est sa femme qui est palestinienne, effectivement. Sa femme est palestinienne et lui est égyptien. Et donc il s'est installé aux États-Unis, il est devenu humoriste aux États-Unis, mais je trouve que là il est très juste. Voilà, c'est Bassem Rafat Mohamed Youssef, et il est égyptien, c'est un comédien qui vit aux États-Unis aujourd'hui. Il est 8h53 et ça va être l'heure pour moi de vous abandonner. On a eu quelques secondes là avec l'autre chat qui était juste là. Vous l'avez peut-être vu vite fait. Il est passé nous voir. Les deux chats étaient venus ce matin. C'est ça, il a été viré de son pays d'origine. Enfin, il est persona non grata en Égypte. On condamne les journalistes. Enfin, je pense que la question se pose pas, Franck. Hein. On condamne bien sûr les journalistes qui sont bien assis dans leur siège et qui racontent de la merde sur le sujet. Effectivement. Donc, c'est l'heure pour moi de vous abandonner. Effectivement, comme le dit Franck, bon week-end. Le capitalisme nous enlève la vie. Ah. Oui, je vais travailler. En fait, c'est surtout que je suis en train de bosser sur un sujet. En fait, je travaille pour un organisme d'État en ce moment, sur un projet très intéressant.
Bienvenue Madame Machin, merci pour le follow. Sur un sujet donc très intéressant qui me passionne beaucoup et c'est vraiment très très cool. Donc j'ai hâte de retourner bosser dessus. Je ne veux pas non plus travailler trop tôt dessus, mais j'ai hâte de retourner bosser dessus. Surtout que j'ai résolu ce matin, en me réveillant, j'ai résolu une partie de mon projet. Voilà. Mais ouais, super, super projet en ce moment et qui me prend un peu beaucoup de temps et la tête. Non, c'est, alors je peux le dire, hein, c'est la Caisse des dépôts et des consignations. Voilà, je travaille pour le CDC. Bonjour Mumba, ça va? Ouais, c'est le moment où je m'en vais. Je vais retourner bosser. J'ai presque fini en plus, je suis contente, c'est cool. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, un excellent week-end, bien sûr. URSAF pour un chien, c'est pas ouf comme nom. Bienvenue l'Oignon Rouge, merci pour le follow. Ah, la CDC, ouais. La CDC. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi, de bonne heure, de bonne humeur, plein de bonnes choses aussi à vous. Merci Manon. Tu posais la question, je récupère encore les codes Blue Sky, surtout je distribue encore des codes Blue Sky, j'en ai encore en rap si vous voulez, donc envoyez-moi un message si vous en voulez un. Hein. J'en donne volontiers. À qui n'est pas encore inscrit sur le site. Merci d'être venu ce matin pour ce stream. À très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Donc, aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est un... Ah merde. Ah, c'est important. j'ai zappé un truc. Il faut juste que je le fasse proprement. C'est que normalement, j'appuie là. Et maintenant, je vous mets je vous envoie quelque part. Je vais vous envoyer dans un autre live. Je pense que je vais vous envoyer voir des animaux ce matin. Et merci, Sunkit, pour le follow. Bienvenue parmi nous. Et bonne journée, Captain Balek. À bientôt.